Bonjour, si vous cherchez la déconnexion totale, le repos, le calme, une seule adresse d'Al Rizlan Marrakech. Pour vous, je vais recevoir Ahmed Sadir qui va nous dire plus de détails sur cet endroit magique. Restez avec moi. Dar Rizlan, à l'origine, ça devait être un immeuble d'habitation. Et un jour, je passe dans la rue et puis je vois un immeuble d'une très belle architecture et puis je m'arrête. Et puis je demande au gardien, je demande ce que c'était. Et puis le gardien me répond, c'est une société de Casablanca qui est en train de construire un immeuble pour faire des appartements pour son personnel, pour son staff. Bon, je regardais un peu l'architecture et puis le site et puis la situation, je me dis c'est pas possible. C'est un endroit qui le peut, je le vois plutôt être exploité en tant que maison d'hôte ou en tant qu'hôtel parce que c'était trop beau pour être vraiment une résidence pour le staff. Enfin, je n'ai rien contre le fait que ce soit dédié au staff de la société. Mais c'était trop beau quand même pour ne pas être exploité en tant que restaurant et hôtel de charme, surtout vu l'emplacement, vu l'environnement et puis vu aussi la qualité du quartier dans lequel se trouvait cet immeuble. Donc après j'ai fait une proposition à cette société et j'ai repris les choses en main, j'ai fini les travaux et j'en ai fait ce que c'est devenu actuellement. Et on a ouvert en 2001, au mois de mai 2001. Et grâce à Dieu, on a une très bonne réputation et une très bonne notoriété dans le milieu, dans notre profession. C'est une configuration qui est un peu spéciale parce qu'on a des suites qui peuvent être transformées en chambres. C'est-à-dire qu'on peut vendre les chambres séparément parce que chaque chambre a sa salle de bain et sa toilette et ses installations indépendantes. Et on peut aussi les vendre en tant que suite de 2 à 3 chambres, ce qui plaît énormément aux familles ou les gens qui voyagent en amis, parce qu'ils ont, quand ils sont dans ces suites-là, chacun a sa chambre indépendante, mais ils ont en même temps un salon cheminée qui est très agréable et qui permet à tout le monde de se retrouver le soir autour d'un verre devant la cheminée. Donc on a 9 suites et 6 chambres. Mais en termes de clés, on a 20 chambres, c'est-à-dire 20 clés. Le spa, on l'a créé il y a maintenant 1 an et demi. En fait, c'était une grande terrasse qui ne servait à rien. Et on a fait un très beau spa avec des cabines de massage et de soins, et avec un très beau hammam beldi, comme vous avez dû le constater. Une petite salle de repos et puis une très belle terrasse qui est attenante au spa et sur lesquelles on peut faire des massages en plein air. Le restaurant, il existe depuis l'ouverture. Il a été agrandi plus tard. Et le restaurant, donc on l'a ouvert avec l'hôtel. Et on a eu la chance d'avoir un chef extraordinaire qui est Zakia. Zakia, c'est pas un chef, mais une chef. Et qui a retravaillé un petit peu qui a revisité la cuisine marocaine et qui a sorti une cuisine qui est
vraiment très, très recherchés. Parce que vous savez, la cuisine marocaine, c'est une cuisine traditionnelle. Qui, je ne dirais pas qu'il n'a pas bougé pendant longtemps, mais disons que c'est une cuisine familiale et qui se perpétue à travers les générations. Et c'est une cuisine qu'on ne peut pas présenter dans des plats, joliment dans des plats comme la cuisine moderne. Et Zakia justement a travaillé ce côté-là. Elle a revisité non seulement les saveurs et le goût et les recettes, mais elle a aussi revisité la présentation des plats, ce qui lui donne un aspect très moderne et très sympathique. Nous, cette maison, elle s'adresse à des gens qui cherchent la sérénité, le calme. C'est une maison qui est en plein centre-ville, qui est dans l'un des plus beaux quartiers de Marrakech, qui est l'Hivernage. Et en même temps, on bénéficie d'un calme et d'une sérénité extraordinaire parce que c'est un endroit qui a un très grand jardin, beaucoup d'espace et surtout beaucoup de charme. Ben voilà, je vous souhaite la bienvenue à Dar Island. Si vous voulez faire une vraie découverte, une vraie expérience d'une maison de charme, eh ben Dar Island vous attend et vous ouvre les portes.